Neuvaine d'action de grâce pour clôturer l'année 2023 et invoquer la bénédiction du Seigneur sur l'année 2024. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prenons quelques secondes de silence pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés en 2023. Pour toutes les fois où en 2023, je n'ai pas été fidèle à la prière, où je n'ai pas eu le temps pour Dieu, pour lire sa sainte parole contenue dans la Bible, pour assister à la sainte messe, pour prier en famille. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois où en 2023, je me suis éloigné du Seigneur, où j'ai vécu dans l'idolâtrie en recherchant la protection ailleurs qu'en Jésus, en visitant les charlatans, les devins et les marabouts. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toutes les fois où en 2023, je n'ai pas eu le temps pour les membres de ma famille, où je me suis disputé avec mes frères et sœurs pour des problèmes de terrain ou de biens matériels, pour toutes les fois où je me suis disputé avec mon mari ou ma femme, avec mes enfants ou mes parents, pour quelque raison que ce soit. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois où en 2023, j'ai négligé mon travail, où je ne me suis pas comporté comme un serviteur, où j'ai pratiqué ou encouragé la corruption, la fraude, le détournement du bien public. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour tous les péchés causés par les hommes et les femmes de ma famille, de mon pays et du monde entier en 2023, pour toutes les violences, les meurtres, les suicides, les enlèvements, les viols, les avortements, les guerres, les trahisons, les crimes rituels, les débauches, le mensonge, les détournements de fonds publics. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père céleste, pardonne-moi pour toutes les fois que tu es venu chercher le fruit dans ma vie et que tu n'as pas trouvé. Si j'ai été incapable d'accomplir ta sainte volonté cette année 2023. Ô cher tendre Père Céleste, aie pitié de moi et pardonne-moi que je n'occupe pas la terre inutilement. Accorde-moi le bonheur comme tu l'as accordé à David en pardonnant son péché. Relève les murs de Jérusalem. Amen. Pardon. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Viens changer nos cœurs si durs.
Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, don ineffable de Dieu à mon âme, au thème de cette année 2023, je suis pris par l'émotion et l'admiration en pensant à toi. En pensant à tout ce que tu as fait de grand et de beau pour moi, ainsi que pour les miens. Je ne trouve rien qui puisse dire la joie intime que j'éprouve de savoir que tu vis en moi. Mon âme est inondée d'amour par la contemplation savoureuse de toi. Je suis comme stupéfait devant tant de bienveillance. Seigneur Esprit Saint, tu peux tout. Tu veux particulièrement prendre contrôle de cette année 2024 qui commence et me bénir puissamment. Pour cela, je te dis merci. Amen. Prière d'action de grâce pour l'année 2023 qui s'achève. Une année s'achève comme une journée. De toi je l'ai reçue, à toi je la remets sans un bruit, car tu es le maître du temps et de l'histoire. Tous mes jours et mes nuits sont dans ta main, ô mon roi. Cette année a été remplie de joie, de rencontres, d'amour et de bonheur, mais aussi de moments de tristesse, de stress, de ressentiment, de maladie et de rancœur. Malgré la tristesse dont j'ai souvent teinté cette année, grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, elle a été merveilleuse. Qu'ai-je eu que je ne l'ai reçu de toi, Seigneur? Qu'ai-je réalisé qui n'a été porté par ta grâce? Qu'ai-je goûté d'esquis loin de ta face? Qu'ai-je mérité pour tant de bonheur? Pour tout cela, je te dis merci. Merci pour ta protection divine durant toute l'année 2023. Merci pour ton amour et ta compassion sans fin. Merci Père très bon pour tous les bienfaits dans ma vie. Je te remercie pour le pardon de toutes mes inquiétudes, la guérison de toutes mes maladies, la délivrance de ma vie de toute forme de piège de l'ennemi. Je te remercie d'avoir couronné de bonté et de miséricorde de ma vie, d'avoir rassasié ma vie avec des biens et le rajeunissement comme l'aigle. Merci Seigneur, merci pour tout. Chantez avec moi le Seigneur.
Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, dans un moment de silence, que chacun présente à l'Éternel notre Dieu, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Jésus notre roi, son intention ou ses intentions principales pour cette année 2024. Prière pour consacrer la nouvelle année 2024 au Seigneur. Père céleste, donne encore la vie. Accorde-moi l'année nouvelle. Accorde-moi 2024 et ses 12 mois, toutes les 52 semaines, tous les 366 jours de 2024, toutes les heures et les secondes. Oh oui, Père, je les accueille en toi. Habite chaque parcelle de mon temps et de mon cœur. Habite en moi tout entier. Père des cieux, par la puissance de ta sainte parole et par ton Esprit Saint, change et transforme ma vie comme ce figuier. Creuse tout autour de moi et mets-y du fumier au puissant nom de Jésus. Abba, Père, que je sois productif, que je produise le fruit que tu cherches à voir dans ma vie, le fruit de l'esprit, le fruit digne de repentance, le fruit dans tous les domaines de ma vie, comme cela convient à ton Fils Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Que dans ma famille, mon lieu de service ou de commerce, mon établissement, mon voisinage, je sois un artisan de paix et un semeur d'amour. Seigneur Jésus, toi l'alpha et l'oméga, toi le premier et le dernier, le commencement et la fin, dès janvier, commence l'année avec moi. Je mets tous les 366 jours de 2024 entre tes saintes mains. Bénis et sanctifie tous ces jours. Père éternel, que rien de ce que l'ennemi a planifié contre ma vie, ma famille, mon travail, ma santé, mes études, mes projets n'aboutisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Esprit Saint, pendant toute l'année 2024, respire en moi afin que je pense ce qui est saint. Attire-moi, Esprit Saint, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Esprit Saint, afin que je garde ce qui est saint. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent antique, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, prenons quelques minutes de silence pour méditer sur la victoire de Jésus contre le diable, contre Satan et contre toute force du mal. Prière pour demander la protection de la Vierge Marie en 2024. Maman Marie, rempart de notre foi, toi l'auguste reine des cieux et la souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie tes légions saintes pour que, sous tes ordres et par ta puissance, elles poursuivent les démons qui planifient pourrir notre année 2024. Qu'elles les combattent partout, répriment leur audace et leur refoule dans l'abîme. Vierge très sainte, par ta prière, préserve-nous de tout mal, de tout accident, de toute maladie grave et incurable, de tout malheur et de la mort subite. Par ton amour maternel, obtiens pour nous toute bénédiction de Dieu. Amen. Demander la protection des archanges en 2024. Dieu le Père Tout-Puissant, je viens humblement te supplier d'envoyer l'archange Gabriel m'éclairer par rapport à ton plan d'amour sur moi en 2024. Envoie-moi, Dieu d'infinie miséricorde, ton archange Michel pour me défendre contre mes ennemis visibles et invisibles. Défends et protège-moi contre le démon et ses envoyés, contre les sorciers, les vampires, les ensorceleurs, les empoisonneurs, les envoûteurs, les jeteurs de mauvais sorts. Chasse loin de moi les maris et les femmes de nuit, les poisons de nuit et tout autre maléfice.
par le service de ton archange Raphaël, Dieu, médecin des médecins, guéris-moi de toute maladie physique ou spirituelle. Enlève de mon âme mes mauvais penchants, mes inclinations au péché et les sources de mes tentations. Détruis les germes de tout péché, surtout ceux contre lesquels je me bats chaque fois sans succès. Amen. Voici venu le temps des anges, toi mon ami, toi mon enfant, en ces temps-ci où tout le monde pleure, la terre se meurt, et moi j'ai peur. Voici troubadours portant secours, des missionnaires à nos misères. Nous sommes rendus en l'an 2000. Les anges ne sont plus dans les nuages. Détachons pour une couverture spirituelle. Seigneur Jésus, nous tes enfants que tu connais mieux, te demandons de nous pardonner pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas soumis à toi en 2023. Pardonne-nous tous nos péchés d'acceptation de l'ennemi et de ses mensonges. Maintenant, nous voulons nous soumettre à toi comme notre Seigneur, ô Jésus, et nous te demandons de nous couvrir de ta protection tout au long de l'année 2024 et de la sceller avec ton sang précieux, Seigneur Jésus. Nous choisissons maintenant de revêtir toute l'armure de Dieu et te demandons de nous laver et de nous couvrir entièrement. Nous choisissons maintenant de revêtir toute l'armée de Dieu et te demandons de laver et de couvrir entièrement nos corps, nos âmes et nos esprits de ton précieux sang. Amen. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Prière à notre ange gardien. Ange gardien à qui Dieu m'a confié. Aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.